pub. Pile. Voilà. Bonjour, toi. Donc, reprenons. Alors, je disais que personnellement, déjà le premier, sincèrement, je l'avais déjà depuis un moment. Et le truc, c'est que je me suis pas permis de le faire parce que ça me faisait trop flipper, hein. Je vais le reconnaître. Voilà. Ce qui fait que je n'y ai plus joué. Jusqu'à ce que je fasse mes lives, et là, dans ces conditions, ouais, je l'ai fait, parce que, bah voilà, il y a des gens avec moi, que je peux me permettre de le faire, et tout. Voilà, j'allais dire sans lumière. Eh ben non. Attends. Voilà, ce qui fait que celui-ci, bah, c'est à peu près la même chose en fait. Personnellement, je m'embêterai pas à le faire autrement qu'en live. Parce que ça me fait flipper. Voilà, moi je suis une petite nature, monsieur. Et vu que j'aime bien quand même terminer les jeux que j'ai, bah c'est justement, ça me donne une raison de le finir. Pourquoi t'active merci. Alors. J'en ai zappé un, mais on est sur la dernière page, donc on a bientôt fini. On a bientôt fini ce foutu jeu. Moi content. Bientôt terminé. Bientôt on n'en parle plus. Bientôt je le range dans une cage, je désinstalle et merci, ciao. Plus jamais. Voilà, ça c'est dit, c'est comme le premier. Je veux plus en entendre parler de ce jeu. Une fois qu'il sera fait. Bonjour. Oui, tu me pollues le champ visuel. Ok. T'as pris ma caméra. Super. Bah, c'est comme un bon film d'horreur. Tu fais partager. Oh le coup de boule.
Alors, dans l'idée, c'est toi qui me tiens par la main pour m'amener, vu que t'es devant, ma belle. Donc, dans l'idée, pourquoi je me ferais chier à me déplacer? Bon, bref. qu'est-ce qu'on fait dans les cuisines? Les gamins, ils ont 12 ans, ils voulaient faire des bébés déjà? Je ne sais pas pourquoi tu fais autant de mystères. Est-ce que Lynn t'a demandé de nous le demander? J'ai demandé la première. Oui. Alors? J'en sais rien. T'es nul. Ferme. C'est toi. Oh, il y a des soucis d'humidité sur le plafond. Qui de me demander? Vrai? Peut-être. J'en sais rien. Je voulais juste savoir. Toi aussi, t'es nul. Je sais. Oui, mais elle, elle voulait savoir parce que, en fait, elle, elle t'aime. Oh, de l'amiante sur les murs. C'est pas bon pour la santé. Alors. Et si je dois appuyer sur mon bouton pour marcher, pourquoi je suis pas au minimum à côté d'elle et non derrière? Enfin, c'est pas logique. Soit je suis devant, soit je suis à côté, mais je peux pas être derrière parce que sinon c'est elle qui me tire. Tes parents sont rentrés à la maison? Non. D'habitude, ils rentrent après le dîner. Tu penses que je pourrais venir chez toi? Oh, oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais... Pourquoi tu veux venir chez moi? Je sais pas. Pour faire des bébés? Ah. Là, c'est tellement évident. Qu'est-ce que tu ne sais pas, Jessica? Oh, désolée. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Je suis désolée, père Luther Milch. Nous sommes restés après l'école pour la revue. Nous allions partir. Retournons en classe, s'il vous plaît. Blake? Tu n'as pas encore d'ennuis, Blake. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis, quand même? Blake, reste avec moi. Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal? Dois-je appeler vos parents? Non, mais au-delà qu'il soit prêtre, il a une tête de pédophile. Je veux juste que nous soyons amis. Personne n'a d'ennui pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica? Jessica, regarde-moi. Veux-tu prier avec moi? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Si tu rentres chez toi, Blake. Ai-je interrompu quelque chose? Bah non. Alors tu voulais quoi? On jouait. Tu ne veux rien dire? Vous savez, la honte est un don de Dieu. Pour reconnaître le bien du mal. Et ce que tu veux est très mal. Rentre chez toi. Parle pour toi, mec. Reste. Je veux que tu restes. Blake, s'il te plaît. Cette situation a assez duré. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Allez, pars. Wow, le mec, il a des pouvoirs psychiques. Il ferme la porte. Non, mais je veux pas partir. Je sais ce qui va se passer. Bon, j'ai le droit d'appeler les flics, il y a un téléphone par là pour que j'appelle les flics pour pédophilie. Papa, 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 papa. Là, chez moi, là, je viens de le voir, donc il a pas pu t'attraper. Arrête. Oh. Je le vois.
Ah, j'ai récupéré ma caméra. Bon, d'accord. J'étais tellement pris par l'histoire là avec Jessica que pour une fois il n'y avait pas l'autre saloperie dégueulasse qui me coursait. Tu es enceinte. Je te supplie. Je veux pas mourir ici. Je veux pas que notre bébé meure ici. Je vais pas. Je les laisserai pas te tuer. Alors, en revanche, là, le gars, je fais le rappel, hein, le jeu se passe en une nuit. Le mec, ça le choque pas qu'elle ait le ventre d'une femme qui est enceinte depuis 9 mois. Alors que, en gros, il la cherche depuis une seule nuit. Hein, ça c'est pas la question qui lui traverse l'esprit, c'est on se casse, on va sauver le bébé, machin. Mec, ta copine, qui quand t'es parti n'était pas enceinte du tout, ou n'en avait pas l'air, là en gros, en même pas une nuit, genre elle est déjà enceinte jusqu'aux yeux, prêt à accoucher. Je sais pas, il est où ton problème? Qu'est-ce que t'as pas remarqué là? On doit sortir de là. Bon, que l'homme ne le sépare donc pas. Oh, la jolie lumière. On est sorti. J'ai fait sortir Jessica. Il faisait froid, mais la neige commençait juste à tomber. On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé. Tout ira bien. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Là, je crois que tu t'es trompé d'histoire, mec. Ah, il reste encore 3 documents, donc... Purée... Où est-ce que je vais, là? Dans l'idée, faut que je suive la lumière. Comme tout bon jeu, tu suis la lumière, elle t'indique le chemin. Ou pas. Ah, lumière. Un éclair. Le plus loin possible d'ici. Ouais. Ah, pas là. Je traîne ma copine qui est enceinte. Je ne sais pas comment elle est tombée enceinte, mais on s'en fout. On se casse. Oh, un lit. Par ici. On doit entrer avant que le bébé arrive. C'est trop dangereux. Tu peux pas. On peut pas rester dehors. Aide-moi. Je t'en supplie, Blake. Ok.
Ok. Fais attention. Merde. Lynn, tout va bien? Je descends. Tu m'étonnes. Alors, au vu des gens, du sang sur les cuisses, techniquement, je dois m'allonger. C'est pas les os qu'elle a perdu là. Là, c'est directement son utérus qu'elle perd. Ouais, je vois que dalle. Mais cet effet de caméra, mais... Ah, la caméra est à chier. Ah purée, c'est à peine lisible sur le gameplay pour la caméra. Bon, bah, je suis mort. D'ailleurs, tu me le retires pas pour buter ma copine, enfin... Ah, par là. Attends, parce que les virages, c'est un peu... voilà, quand je veux tourner sur la droite, ça passe, mais sur la gauche... Bon, tu vas obtenir ta récompense. Voilà. Allez, la sainte récompense. Voilà, la sainte récompense de Dieu. Allez, merci. Bah, moi, il y a une croix qui vient de tomber du ciel. Bon, on redescend. Ah, on peut pas. Bon, pardon, je passe, hein. Tu m'en voudras pas. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Oui, je l'ai vu. Appelle-moi con. Enfin, là, je vois plus rien, mais... Parce que tu prends la moitié de mon écran. Enfin, un tiers de mon écran, et... Ah là, je dois reconnaître, oui. C'est tombé à point nommé. Maniabilité de nuit. Alors, on peut pas passer par là, par là. Bon, lâche ta caméra, s'il te plaît, voilà. Voilà, filme les cheveux dégueulasses de ta copine. Oui, bah on avance. Là, la chapelle. On peut s'y réfugier. Ouais. On est quand même revenu au point de départ. Alors, pourquoi le soleil, on a l'impression qu'il se rapproche?
heureux. Le bébé arrivait. L'enfant improbable. Lynn disait que Jess était comme sa petite sœur. Je sais pas ce que je suis censé faire. Rien de tout ça n'est ma faute. Oh, il en reste deux encore. Mais on s'en fout, en fait. Enfin, moi, perso, je m'en fous, quoi, que ce soit ta faute ou non. Si t'es un enfant... À cette époque, qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre ? Allez, sur les cartes leur, à côté du cadavre de l'autre qui est toujours là, tiens. Mais ce qui est génial, c'est quand même les mines, ça a été vite, hein, parce qu'on était quand même sous l'église au bout du compte. Tu dois t'allonger. Ou pas loin. J'y arrive pas. Tu peux le faire. Oh Seigneur. Donc on s'est fait chier pour pas grand chose. Ok, continue de respirer. Quelque chose de pas normal. Oui, le sang que t'as entre les jambes. C'est peut-être pas normal dans l'idée. De plus, là, si le bébé sort, j'ose même pas imaginer comment il va atterrir. Je rappelle, ma chaîne est 18+. Voilà, vous venez de voir comment vous êtes né. Bon, en revanche, le ventre, il n'a pas dégonflé, alors que le bébé est sorti. Ce qui est génial, c'est que dans l'idée, le cordon ombilical est toujours accroché, donc tu vas le décrocher comment ? Oui, je sais, je brise de moments émotion, mais bon. Et quoi, si t'es en colère, tu prends le bébé, tu shootes dedans. Et tu vas faire quoi, lui donner ça au bébé maintenant? Alors, Lynn m'a dit que tu ne l'as pas encore embrassé. Quoi? Comme dans La Belle et la Bête. Oh, l'histoire. La pièce de théâtre. On garde ça pour... le jour J. C'est vrai. Ok. On se fait la bise. Comme ça, c'est ta copine? Dis-le-moi, sinon... Sinon quoi? Arrête ça. Je t'ai encore eu. C'est l'enfant, n'est-ce pas, mon Seigneur. La fin approche. L'enfant est déjà trop fort. Vous avez assassiné le parti. Dieu. La tempête, la naissance. Devant Dieu lui-même et tous ses anges, je l'ai haï. J'ai haï le Seigneur, notre Dieu. J'ai tué mes enfants. Jusqu'au dernier. Il n'y a pas de foi plus faite. Et Dieu. Ça va, j'espère que t'as pas trop tourné de l'œil. Tu sais, cet enfant, si tu...
tu as quelque amour que ce soit, écrase son crâne sous ta botte. Je sais que Dieu n'entend pas les mots. Et j'attends de lui qu'il leur réponde. Attention, mort violente garantie. Bah oui, mais mec, si... bon, il est moche ce bébé là. Hein. J'avoue que j'écraserais bien sous ma botte. Mais dans l'idée, mec, si tu nous avais laissé partir dès le départ, peut-être que tout ça ne serait jamais arrivé. Ok, lui il est encore bloqué dans sur le passé. Ah déjà il est moins moche. Ah non, il est toujours aussi moche, pardon. Ça va, il dort. Oh, c'est bien, il y a des croix partout. Maintenant qu'il fait jour et qu'on y voit plus clair. Purée, mais c'est quoi de ce patelin, quoi? Ah oui. Ah oui, des villageois. Tout ira bien pour elle. Elle est avec toi. Elle va pouvoir grandir. Elle va faire tout ce qu'elle est née pour faire. Ouais, enfin, toi tu t'inquiètes du tas de cadavres qui est là, mais tu t'inquiètes pas du gros soleil qui est là, qui donne l'impression que la Terre va entièrement être détruite. Oh. J'ai le droit de monter. Ah oui. YOLO. Ok. Et Blake. Essaie de me trouver. Je suis ici. Voilà. Par ici, Blake. Ah oui, d'accord. Donc on reprend la scène. Donc elle te pose la question, donc en gros direction la cuisine, donc elle est là. Ne t'inquiète pas. Jamais je ne te quitterai. Jamais tu ne me quitteras. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire de Dieu. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble et ainsi vivre dans ton amour.
Alors, né de nouveau, sanctifié, pasteur. Bon, bah ça c'est par rapport au niveau de difficulté. Donc, à mon avis, dans l'ordre, c'est pasteur, sanctifié, né de nouveau. Voilà. Fin du jeu. Bon, bah il est encore pire que le premier. Ah hein. Oh, purée, mais cette gestion de la caméra au niveau des piles est difficile, quoi. Même le premier m'avait pas donné autant de mal. Merci. Donc on l'a enfin fini. Enfin. Ouais. Content. Au moins, il va être rangé dans un tiroir, on n'en parlera plus. Qu'est-ce qu'on peut en dire en comparatif avec le premier? Bah, sincèrement, il est... Enfin, hormis le délire... c'est un peu ça. Mais hormis le délire en fait sur sur le plan religieux et tout, ça me fait penser un peu à American Horror Story. Hormis le délire cultiste sur Dieu, le combat entre le bien, le mal, démon, machin. En soi, de toute façon, l'ambiance est quand même suffisamment bien amenée pour foutre les jetons. Dommage que c'est pas assez rationnel pour moi, j'adore la fantaisie et tout, mais bon, après tout ce qui est combat entre Dieu, enfin entre le bien et le mal, ça me dépasse complètement, ça me passe au-dessus de la tête. J'y crois pas trop. Mais bon. Au-delà de ça, c'est vrai que, mais putain. Oui, je sais, le mot est récurrent là. Un peu trop à mon goût. Donc, la vache. En plus d'être extrêmement difficile, mais bon, la difficulté, je l'ai choisi en entrée de jeu, donc voilà. Les nouvelles options de caméra, en revanche, ce qui est dommage, c'est que je m'en suis très très peu servi. Le fait du système de son pour entendre en fait ce qui se passe un peu plus loin et tout, c'est vrai que ça peut être bien pratique, à mon avis, quand on y joue plusieurs fois, au bout d'un moment, on finit par avoir l'habitude de l'utiliser, mais personnellement, je l'ai quasiment jamais utilisé. Ce qui est dommage, parce qu'il n'y avait quasiment rien qui m'amenait à le faire. Voilà. Et quand sur les rares fois où j'ai utilisé, j'ai galéré, parce que vu que ça prend le son extrêmement loin, le truc c'est que tu sais jamais si les mecs sont à côté de toi ou à 10 km devant. Car le système de prise de son du micro fait que, bah, si un ennemi est à... admettons 20 mètres de toi, bah tu vas l'entendre. Alors que toi, ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir entendre en gros ce qui est relativement proche. Donc en gros, dans les 2-3 mètres, pas plus. Ce qui, à la fin, faisait que je voulais même plus utiliser, ça me servait à rien, quoi. Voilà. Bon, après, en revanche, c'est toujours le même défaut. Enfin, non, c'est le gameplay qui veut, mais pour moi, c'est toujours le même défaut, c'est la gestion des piles. Purée, même en... Enfin, surtout en difficile, j'ai dû passer... Quoi ? Allez, sur... là, ça fait 10 vidéos... Enfin, si je compte par rapport au VOD qui passe sur YouTube, ça fait 10 vidéos. Donc, sur 10 vidéos, donc, approximativement 15 heures de jeu, on revient au crédit. Sur 15 heures de jeu, en gros, je me prends... pratiquement 5 heures à 6 heures dans le noir intégral sans pouvoir rien faire à part essayer d'apprendre les patterns, les machins, les bidules pour pouvoir avancer et beaucoup de chance au passage. Ah, mais la gestion de ces piles qui disparaissent à une vitesse, c'est horrible. Mais bon, après, pour une suite, on va dire, il est très bien amené. J'espère qu'ils n'en sortiront pas un troisième, hein, parce que si je l'ai dans l'un de mes packs, je vais pleurer ma race si je vais en faire un troisième. Une fois, ok. Deux fois, bon, ça commence à me saouler. Trois fois, je me tire une balle. Hein. Oui, j'ai passé une semaine. Enfin, une semaine. Alors, à savoir que si on compte un jour sur deux et qu'il y a une journée auquel je n'avais pas streamé, ouais, c'est ça, une semaine. Donc, même donc lundi, mercredi, vendredi et dimanche, 4 jours. J'ai passé 4 jours dessus.
Mais au total, j'ai passé 15 heures de jeu, environ. Enfin, même, je dirais 13 heures de jeu. Voilà. Mais bon, si l'on compte des sessions de 45 minutes à U... Enfin, ouais. 45 minutes dans le noir intégral, à pas savoir où je dois aller, ce que je dois faire, où je vais, à me prendre des murs non-stop, juste pour essayer d'avoir un minimum de champ de vision, donc... Comme ça a été dit plus tôt, cette série, c'est la série du noir intégral, quoi. C'est le gameplay du noir. Tu passes ton temps dans le noir. Tu vois rien. Bon, après, j'ai pas réussi à piocher toutes les séquences, mais il y a des séquences, faut être très vif. Faut bien les attraper, des documents que j'ai dû zapper, voilà. Bah, tant pis, hein. Surtout sur la fin, c'était plus trop ma priorité, personnellement. Mais bon. Tellement je voulais le finir vite. Mais voilà, je suis content de l'avoir fini. Donc, comme je disais, quitter. Voilà, ça, c'est fait. Merci le jeu, t'étais sympa. Vous avez déverrouillé 14 succès sur 24. Je suis content de le savoir. Désinstaller, supprimer, merci, au revoir. Voilà. Tu as été fini, donc je ne veux plus t'entendre. Et ce qui fait que j'ai fini avec une demi-heure d'avance par rapport au stream. Donc je pense que... Bah, on va s'arrêter là pour ce soir. Je rentamerai une nouvelle série. Alors, attention, je fais les petites précisions. Pour le coup, j'essaierai de me rattraper. Elle ne sera pas faite mercredi soir, pour la bonne et simple raison, c'est que je suis encore à un pot de départ, hein, voilà, vie RL, boulot, ce qui fait que je ne pourrai pas streamer mercredi soir, donc je streamerai dans ces conditions jeudi soir, et pour le coup je ferai un combo, c'est-à-dire que jeudi et vendredi je ferai deux soirs de stream, voilà. Pour être prévenu, je ferai le rappel jeudi de toute façon. Mais là, pour le coup, plutôt que sauter, en gros, faire demain, donc mardi, mercredi et jeudi sans rien, je vais juste décaler et faire deux streams à la chaîne. Voilà, deux soirées de stream à la chaîne. Non, pas sur celui-ci. Alors là, celui-là, je me refuse de tout débloquer. Je me le refuse intégralement. Et quoique, si je veux vraiment me détendre, et parce que c'est une gamme de jeux que j'ai pas beaucoup fait, pour le coup, à la limite, je me tâte. Car soit je me fais Rise of the Tomb Raider... Soit je me fais Mad Max. Ça me tente très bien. Parce que sinon on partirait sur Dishonored. Ah, quoi que pour terminer la soirée. Allez. Pour terminer la soirée. Je vais aller jusqu'au bout. Hop. Bonsoir G-Bungle 1017. Et pour le coup, bah désolé, je viens de terminer le jeu, donc... Et bah pour le coup, on va terminer la soirée sur du Binding of Isaac, parce que voilà. Donc c'est quoi la commande déjà? Ah si, c'est bon. Voilà. Et... Bon. Hop. Ah, attends. Alors non, c'est pas ce que je veux, parce que là il me l'affiche pas. Allô? Ah voilà, ça y est, ça s'affiche.
Voilà. On va finir sur les petites sessions de Binding of Isaac, en hard, en random, et voilà. Avec Kane. Enfin, Kane. Et on est parti. Ça, ça va bien me détendre. Tant qu'à faire. Mais bon, parce que j'ai assez flippé pour le coup. Donc on va reprendre du jeu d'adresse. Ha ha ha. Voilà, file-moi la bombe. Hop, le petit rocher marqué. Et on fonce. Ah bah non, on fonce pas au boss, j'ai pas encore trouvé l'item room. Alors, voilà, l'item room qui est là. Allez vous faire mettre. Non, 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 on s'approche pas. Merci. Une clé, merci, c'est gratuit. Oh, merci. Super. Hop, encore une clé. Alors. Ah, ouais, bon, ça va pas me servir à grand chose, mais bon, on le prend quand même. Mom Eyes. Aïe. Voilà, je tire des. Je tire des larmes par, par l'arrière de la tête, hein. Normal. Tout va bien. Allez, on y va tranquille. Merci pour les araignées qui me défoncent l'anus. Alors. Aïe. Merci. Screw. Voilà, déjà, on gagne un peu en speed. Pour les clous, et on est parti, deuxième niveau, c'est l'heure 2, on en est à 2 minutes. Voilà, ça c'est fait. On règle, on règle, on règle. Hop, super, encore une clé. Bon, là, rien. Ah oh, bah super. Une salle inutile. Ouais, vraiment inutile. Voilà, là on est dans un moment détente. J'ai pas de bombe, ça tombe mal. Oh super. Merci. Secret room. Mais j'ai pas de bombe, donc ça me sert à rien. Super, merci. Inutilité du jeu. Wow! Cette esquive, double esquive, allez. Même pas voulu. Alors. Cricket Head. Ça, c'est bon. J'ai 5 pièces. 5 pièces, je prends la bombe parce que ça va m'être utile. Dans l'immédiat. Voilà. Juste ici, allez, dis-moi que ça passe. Oui, ça passe. Et je récupère le Goat Head. Super. Ah bah.
Bon, bah voilà, c'est réglé. Voilà, Blue Cap. Bon, bah, on a des bons items pour le moment. Et ça, c'est quoi? World of Babylon. Super. Je ne sais plus ce que ça fait, mais c'est pas grave. Allez, hop. C'est la run de l'espoir, là, parce que c'est des objets quand même plutôt sympas. Aïe. Ah ah ah. Bon là faut plus que je me fasse toucher. Plus le droit à l'erreur. Voilà, c'est fait. Non mais... C'est bon. Merci, mais... Oh, super, Blood of the Martyr. Wow, cet accent anglais. Bon, pardon. Blood of the Martyr. Martyr. Alors. Bon, au moins. Hop, 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 hop. D'où tu me craches des larmes de sang, toi? Merci. Bon, non, moi je fais encore plus de dégâts. The Fall. Ouais, super. Et voilà la mort. Purée. Je m'y attendais tellement. T'as tellement de bons objets que fallait que je meure. Bon, bah on relance. Les... Oh purée, Lilith. Ok, ça commence déjà mal. Hop, restart. Curse of the Blind, t'oublie. Alors. Voilà. L'alimentaire. Et là, on est déjà bien. Voilà, l'alimentaire. Super item de protection. Merci pour le renvoi. Purée, je fais un DPS de boule. Ok, alors. Hop, pas un pet de dégâts. Super.
Voilà, un de réglé. Ok, purée, run parfaite. Enfin, du moins pour le premier niveau. T'es un shot speed up. Voilà, on est content. Hop, merci. Heureusement que j'ai le lit mental. Alors, des araignées encore. Je déteste les araignées et d'autant plus dans le jeu parce que leur pattern, ils en ont pas. Voilà, ça va vite. C'est purement aléatoire. Bah oui. Voilà, merci. Ok. Objet inutile. Vous allez tous mourir. Ça c'est fait. Alors. Ah oui, ça peut être utile. Voilà, on va doubler les dégâts, c'est mieux. Alors, un petit Lucky en puissance. Hop là, on esquive le petit trou. Et hop là, adieu Lucky, merci. All Slot of the Shuffle, donc je ne sais pas, bon apparemment il y a du tier zap en plus. Alors le pinta en revanche il m'intéresse. Bingo. Et sans claquer le Elemental. Alors, et lui il m'intéresse aussi pour le coup. Hop, merci. Voilà, le fournisseur officiel de cœur noir. Et je suis plutôt bon. Hop là, mon Elemental a craqué. Et c'était pas vraiment le moment. Maintenant, il faut que j'arrive à récupérer des pièces. Ouais. Pas intéressant. Ah, j'ai pas de bombe. Bonjour. Je suis là. Alors là, c'est pas bon pour la suite des opérations. Hop là. Parfait. Bon, en revanche, les items room, c'est pas la joie là. L'Elemental a été craqué, c'est pas bon. Allez, tue-moi ces saloperies. Hop, bon, il m'a rien rapporté.
On se balade. Hop là. Voilà. The World n'est pas intéressé. J'ai exploré 80% de la map. Et j'ai une lâche. Je sais plus à quoi ça sert, mais bon, on s'en fout. Wow! Ok, parfait. Hop. Allez, on tue tout ce monde. Il en reste un. Il en reste un. Mais pas de cœur. Bon. Merci de mourir. Ça m'aide. Ok, et c'était pas par là. Bon, c'est bien, ça va être full map. Ah, c'est magique ça. Les chauves-souris. Alors. Hop, merci. Une clé. Ok. Et Chubb. Doucement, 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 et merde! Voilà, il aurait pu tellement se passer à l'aise. Bon. Merci. Voilà, allez, c'était gratuit. Un double. Et alors là, c'est la mort. Voilà. J'en ai marre. Deuxième run qui se passait bien, et pour finalement crever comme un gros sac. Lazarus, c'est pas mon préféré. Bon. Allez, hop. Ouais. M'apporte ok, ma life saving et bah try again. Alors, burning basement avec bon, allez, rotten baby, on va accepter. Café romain, super. Bon, rien d'intéressant ici. Voilà. Ouais, mais là c'est déjà plus sympa comme mort. C'est encore pas trop stressant. Oh nom de Dieu! Hop. Pardon, je me suis trompé de. Veuillez me pardonner, je me suis trompé de pièce. Voilà. Alors.
Voilà, ça c'est fait. Dommage plus Ranjap. D'ailleurs, ça me fait penser. Voilà, avec voir les stats, c'est, ça aide. Voir le petit HUD des stats. Bon, chance moins 1 déjà, c'est pas top. C'est pas grave. Allez, sauce-moi toi. Ouais, d'accord, une batterie, super. Et rien d'autre, ok. Ah, un mini, voilà. Ah non, ça n'a aucune incidence en fait. C'est plus au niveau des classements. Hop là. Le but est juste, on va dire, d'avoir le plus gros score, quoi. Enfin, ça, c'est si tu joues au scoring, ouais, le but est d'avoir le plus gros score. Mais si le score atteint 0, ça n'a aucune incidence sur la partie. C'est juste qu'à la fin, t'as 0 points. C'est tout. Donc, rien de grave. Je ne me fie pas trop au score. Ok. Challenge up. Ok, x2, super, merci. Gratuit, la gratuité de la stade. Hop là, bon, ça c'était voulu, c'était fait exprès. On a bien joué comme un sac. Mais au moins ça me libère le petit rocher marqué qui est là. Voilà. Rien d'intéressant. Ah oui. Hop, le petit double cœur, mais ça ne sert à rien. La salle du boss, mais je n'ai toujours pas trouvé l'objet, donc pas l'item room, donc ça ne me sert à rien. Toi, tu ne me sers à rien. Blague. Item room, s'il vous plaît. Et je n'ai pas de bombe. Ah non, non. Non, parce qu'il atteint rarement 0. Faut vraiment bien insister. Voilà, toujours pas de bombe, forcément. Oh, un deuxième pet, ok. Bon, c'est la fête aux pets. Mais toujours pas de bombe, donc c'est pas top. Là. Non, ça fait quoi, ça? Ah oui, d'accord. Mais bon, je perds... Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mais arrêtez de me donner des coups, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous ai fait? Le dernier, tu veux? Voilà. Merci. HP up. Wouhou. Bon, bah, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Pas le choix. Alors, que ça vous plaît, un impuré. S'il vous plaît.
Merci, ça c'était gratuit. Super. Non, 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 tu me craches pas ta merde verte. Bob Skulls. Ah bah oui, c'est maintenant que tu me files des bombes. Mais... j'aurais bien eu besoin avant. Ah purée, j'ai toujours du mal à esquiver. Hop, il me reste 36%, c'est super. Bon, je sens que la cœur se roule. Voilà, ça va être mort. Bon. Ah bah oui, gratuit celui-là. Allez, hop. Mais je fais des dégâts de moule quoi, voilà, j'ai pas d'argent. Empereur, allez vas-y, envoie-moi directement à la salle du boss. Oh non, oh non, c'est injustice. Katana Intel, Shot Speed. Ah oui, et Damage Up. Bon. Allez. On va dire qu'il y a un espoir. 1%. Bah ouais, j'étais pas prêt de l'avoir. Alors. Viens par là. Voilà. T'es tombé. Voilà. Allez, on explose. On explose. On explose. Wow! Ouais, c'est original. Ouais, je suis plus petit. Super. Voilà. Hop. Voilà. Et rien d'intéressant ici. Ok. On est reparti. Hop, tiens, par là. Merci pour la clé. Hop, le double combo. Non. Cook 5, allez on va voir. Ah bah druid. Aïe. Non mais purée. Allez vas-y. Voilà, défonce-moi, il m'a fait perdre 3 tonnes de pognon. Bon, j'en récupère un peu, mais voilà, il va me manquer 3 pièces, super. Bon, j'ai peut-être une ruse. Une résue. Alors. Enfin peut-être un enfoir, hein, donc j'en ai. Ah bah oui, Lazarus, je suis con. Voilà. Mais je me retrouve avec un cœur. Donc en fait, c'était con. Tu veux que je me prends un coup, je meurs, alors que tout à l'heure... la tristesse de cet homme... The Left Arm, ouais. Allez. Hop, pour ça... Ah bah, super! Je vais avoir tous les pets de l'univers.
ça je prends. Moi, j'ai pas fait gaffe. Non, merci. Bon, ça va être coton. Oh, le petit nickel. Et le bon sens, super. Oh bah oui, vas-y, hein, tu vas mourir. Voilà. Avec la facilité, lock up, super. Hop, deux clés, un petit cœur, parfait. On est bien. Mais toujours pas de devil room, ce qui n'est pas forcément bon. Voilà. Et au niveau cœur, on est très limite. Non. Voilà, super chef. Ah non, oh purée, je l'ai pas vu passer. Bon, alors. Voilà, j'ai plein de thunes, mais... Secret room. Super. Encore un chef. Ah oui, je suis encore plus petit en fait. Je viens seulement de m'en rendre compte. Bonsoir, DevGTech. Bienvenue sur le moment détente. Qui était sur Outlast 2 et finalement, bah, vu que je l'ai terminé, je suis passé sur Binding of Isaac pour terminer la soirée. D'ailleurs, qui est bientôt fini. Alors, on passe. Hop. Ouais, plus j'ai d'argent, plus je fais de dégâts. Et alors là, ça peut faire un beau combo. Hop. Non, alors ça, en revanche, ça sent la fin. Ça sent la fin, ça pue, mais tellement fort. Super, en plus, voilà, ils m'ont mis exactement celui qu'il fallait pas. Bon, quand je parlais de fin... Hop, voilà. On va s'arrêter là pour ce soir, parce que moi demain boulot debout très tôt. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci d'avoir participé, d'avoir été présent. On se retrouve donc non pas mercredi comme prévu, on se retrouvera jeudi soir pour une nouvelle série. Donc ça, je me fais joie de décider ça va être laquelle, vu que j'hésite encore, donc vous verrez bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !